Il est 19h50. Bonsoir à tous. Je vous dis bienvenue à cette nouvelle édition d'informations sur nos antennes. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une ce soir, le Congrès américain favorable pour un fédéralisme à deux États au Cameroun pour résoudre la crise actuelle. La résolution a été prise hier. L'institution demande également la libération de certains prisonniers, dont Maurice Kamto, dans l'objectif de décrisper le climat politique très tendu dans le pays. À la une également ce soir, conseil de cabinet de ce jeudi à Yaoundé, grand absent des sujets en débat, la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. Et nous reparlons de ces événements dans les prisons du Cameroun ce soir en questionnant la notion de détention préventive, parfois très élastique et très mal interprétée dans nos prétoires. À la une également ce soir, plus de 10 000 décès liés aux hépatites virales enregistrés chaque année au Cameroun. Des études révèlent que plus de 750 000 personnes souffrent de ces maladies dans notre pays, soit plus de 10% de la population. Comment expliquer ces chiffres de plus en plus élevés malgré les campagnes de dépistage et des traitements au coût réduit désormais? Et un autre visage du désordre urbain dans l'édition de ce journal. Après les gares routières spontanées qui se créent, nous nous attaquons ce soir à des marchés improvisés qui se tiennent carrément sur la chaussée, des lieux de vente vecteurs d'énormes bouchons sur la route et qui causent d'énormes torts aux populations. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, plus de 750 000 personnes sont infectées par l'hépatite virale au Cameroun, soit plus de 10% de la population. Les plus répandues sont les hépatites B et C. Et pour éliminer cette pandémie devenue un problème de santé publique, l'hôpital général de Douala organise pendant 2 jours des campagnes de dépistage gratuites, ceci en prélude à la journée célébrée le 28 juillet prochain. Lille Piedjou et Marius Kosso. Il pleut des cordes dans la ville de Douala ce jeudi matin. Cela n'a pas empêché ces hommes et femmes de connaître si oui ou non ils sont infectés par le virus de l'hépatite B ou C ou les deux à la fois. Chacun étant conscient de la dangerosité de cette maladie. L'hépatite, je l'ai toujours entendu parler de ça comme une mauvaise maladie, comme une maladie dangereuse. Bon, et puis j'ai même déjà eu à voir un proche, un beau pour être plus précis, qui a eu déjà à perdre sa vie à cause de cette maladie. L'hépatite, c'est une maladie dangereuse, c'est un peu dans le même élan comme le VIH-Sida. Puis, quand j'ai suivi à la radio hier qu'il y avait une campagne gratuite, puisque je sais que ce n'est pas moins cher pour faire le test, je me suis précipité pour le faire. Sur plus d'une centaine de tubes reçus dans ce laboratoire, une quinzaine de personnes déclarées positives après analyse. Les échantillons sont bien prélevés dans les tubes appropriés. Les réactifs sont très fiables. Nous donnons les résultats après 30 minutes. Le Cameroun fait partie des pays où le taux de prévalence de l'hépatite virale reste élevé. L'hôpital général de Douala, conscient de cela, organise une campagne de dépistage gratuit des hépatites B et C. Aujourd'hui et demain, on fait la campagne pour que les gens connaissent leur statut. C'est mieux de connaître le statut tôt. Le taux de prévalence des hépatites au Cameroun est de 10% selon les derniers chiffres publiés par le Bureau régional de l'Afrique. Et à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée le 28 juillet, comme le dit le thème, il est question d'éliminer l'hépatite en se faisant dépister. De la santé encore, mais liée à l'alimentation, du riz avarié destiné au bétail saisi ce jeudi à Douala. Les opérateurs s'apprêtaient à remettre ces sacs de riz dans le circuit de la consommation humaine, une opération menée par les éléments de la délégation régionale du commerce pour le littoral qui, heureusement, n'ont pas cédé à une tentative de corruption de la part des propriétaires de ces produits avariés. Lille Piedjou et Henri Tchinda pour les détails. Cette ruelle nous conduit dans un quartier dénué de tout soupçon. Pourtant, ici est installée une bombe à retardement. Un vaste magasin où sont stockés des sacs de riz destinés à la transformation de la provende pour animaux, reconditionnés et doublement cousus pour être mis dans le circuit de la consommation humaine. Nous sommes au quartier Bona Moussadi.
Non, je demande si votre fille n'a pas su que c'était du riz impropre à la consommation. Oui, selon lui, il a cru que c'était du bon riz quand on lui vendait. Bon. Et quand tu achètes dans les invalides, il y a du bon, il y a du mauvais. Cette mafia orchestrée par certains individus a été démantelée par les éléments de la brigade de contrôle de la délégation régionale du commerce pour le littoral. Nous allons continuer de traquer tous ces opérateurs économiques véreux partout où ils se trouvent. Nous allons voir comment on va orienter la cargaison auprès des fermiers. À côté de ces sacs de riz destinés au bétail, un environnement insalubre où cohabitent tout type d'animaux. Après cette saisie, les magasins ont tout simplement été scellés. Les prescriptions de M. le ministre sont claires. Il est question pour les jeunes enfants de consommer de la nourriture saine. Et nous veillerons pour que le marché de Douala soit le plus assaini. Comme toujours dans une telle opération, ces présumés criminels essayent de corrompre les agents de la délégation en évoquant un riz passable à la consommation humaine. Malheureusement pour eux, le délégué régional est prêt à aller jusqu'au bout pour protéger la santé des populations. Et ce riz, justement, parfois est certainement vendu dans des marchés spontanés. Il ne se passe justement plus un an sans qu'un nouveau marché ne se crée dans la ville de Douala. La forte démographie entraîne un agrandissement de la métropole économique du Cameroun qui donne lieu à des marchés spontanés à chaque coin de rue. Le tronçon Dokoti PK14, par exemple, compte à lui seul plus de 5 marchés installés le bord de la route, causant d'énormes embouteillages et même causant l'insalubrité dans ces quartiers. De Marc Chameau et William Debout. Si vous empruntez la voie en Dokoti PK14, il vous est impossible de manquer ces commerçants et commerçantes qui jonchent la route. Des marchés créés spontanément à la vue et au su de tous. Premier stop au point kilométrique 8 ou encore marché PK8. Que ce soit sur la chaussée ou encore sur des étalages improvisés, tout est bon pour faire son commerce. Les problèmes ici diffèrent selon le bord. À gauche, c'est Douala 5e et à droite, on se trouve sous l'administration de la mairie de Douala 3e. Bien qu'illégal, les agents de la commune de Douala 3e mènent la vie dure aux locataires de ces lieux qui se retrouvent tout le temps dans une insalubrité criarde paradoxalement. On prend les tickets alors que rien n'est aménagé au marché. Ils nous disent que c'est le ticket, que c'est le droit de marché. Alors que là-bas, à Douala 5e, on ne prend pas de l'argent. Comment on doit être dans un marché comme ça? L'autre côté paye le ticket, l'autre côté ne paye pas le ticket. Maintenant, ce sont les vols. On vient les tickets, les habits rayés, vols. On part signer les papiers, les voleurs. J'ai dit que je ne veux pas payer encore les tickets ici-là. Les commerçants situés sur l'autre bord ne sont pas dérangés par les agents municipaux de Douala 5e. Ici, chacun reverse son loyer au propriétaire de la parcelle de terre. Il n'y a pas de toilette, on se soulage dans un bâtiment abandonné situé à quelques mètres des aliments exposés. Ce n'est pas cet état de choses qui va chasser les clients. Au contraire, ils sont nombreux à venir s'y ravitailler, comme ici au marché du PK10. Les populations environnantes trouvent en ces marchés de fortune un excellent moyen de faire de l'économie en évitant de se taper de nombreux kilomètres pour retrouver les marchés classiques. La démographie aidant, la gangrène gagne déjà les autres grandes villes du Cameroun. Les autorités en médecins urgentistes doivent se presser de curer ce mal au risque de le retrouver jusque dans leur maison dans quelques années. Et on se rend tout de suite à Yaoundé, retrouver Brand Kamga. Et avec lui, on va parler justement des ressorts de cette résolution du Congrès américain. On l'a dit, Brand, favorable à un fédéralisme à deux États au Cameroun. Les ressorts de cette résolution du Congrès américain sur le climat sociopolitique au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Michael Tipkio, madame, monsieur, bonsoir. Vous l'avez dit, et une question ce soir, comment appréhender la résolution 358 du Congrès américain au sujet de la situation sociopolitique du Cameroun? Les parlementaires viennent à travers celle-ci de critiquer la forme de l'État jugé conflictogène avec le recul des libertés, le confinement de l'opposition ou même les tueries des Zamba Boys. Quelle est donc la portée d'une telle résolution? C'est l'objet de cette enquête que nous propose Roderick Tongué.
On peut dire que la récente mission Karen Bass a livré sa copie. La résolution du Parlement américain, consécutive à un passage au Cameroun de la délégation de députés du pays de l'oncle Sam, en est sans doute l'effet immédiat. Il faudrait la lire sur le plan technique. Je ne dis pas des résolutions exécutoires, parce que le rôle des assemblées dans les États, c'est justement de proposer, de suggérer ou de recommander au pouvoir exécutif. Mais y mettre une dose de réalisme. Un ultimatum par rapport à ce que l'ambassadeur des États-Unis a dit par rapport au principe des droits du peuple à disposer et par rapport à la constitution américaine. Les experts sont unanimes que le Cameroun est souverain et n'a d'injonction à recevoir de personne, même pas des Américains. Mais le pays de Paul Biya ne saurait faire fi du substrat de ses résolutions. Celle-ci qui recommande le fédéralisme à deux. Il ne faut pas rester fermé dans l'État unitaire, entre guillemets, décentralisé. Cet État aujourd'hui a montré ses limites et ses faiblesses. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de liberté, plus d'autonomie. La résolution du Parlement américain, qui rejette avec force le sécessionnisme, dénonce les limites des libertés publiques, le recul de la liberté d'expression au Cameroun et la libération du leader de l'opposition au regard des dernières élections, Maurice Kamto, ainsi que tous ses camarades. Une recommandation accueillie avec enthousiasme ici. Le Cameroun peut résoudre ses problèmes de manière à ce que les fils puissent s'asseoir et sortir de cette crise. Et là, un peu de modération. Au Congo, Brazzaville, après l'élection présidentielle dernière, vous avez vu un candidat à l'opposition, le général Moukoko, lui aussi avait été accusé d'atteinte contre la sûreté de l'État. Et le général Moukoko, au Congo, Brazzaville, est toujours en prison. Passer l'étape de ces résolutions saluées au Cameroun par l'opposition et la société civile, les regards sont tournés vers l'administration Trump qui a initié cette enquête parlementaire sur le Cameroun. Elle a trois options à peu près devant elle. Classer le dossier, le porter au Conseil de sécurité ou faire pression au plan diplomatique et économique sur Yaoundé. Mais aussi résoudre une grosse équation. La France. La France considère le Cameroun, surtout le Cameroun français, comme une partie intégrante de notre tout. Donc là, il y aura la bataille entre les grandes puissances. Il y aurait donc des puissances au chevet des populations et des enjeux géostratégiques et d'autres au chevet de l'héritage colonial. 50 sous pour qui les identifierait. Nécrologie, le général de division James Tato Tabe n'est plus l'un des premiers officiers généraux de l'armée camerounaise est décédé hier en France des suites de maladies. L'homme qui dépose définitivement les armes à l'âge de 86 ans était l'un des éléments clés du putsch du 6 avril 1984. Évocation de l'avis du général James Tato avec son supérieur hiérarchique d'alors, Pierre Semengue, c'est dans ce portrait. James Tato, toute une vie au service de l'armée camerounaise. En apprenant son décès ce jeudi matin, le général d'armée Pierre Semengue, avec qui il a passé plus d'une cinquantaine d'années sous le drapeau, s'en souvient. C'était un grand frère et un subordonné extrêmement important. Né le 5 septembre 1933, James Tato est formé à l'école des officiers militaires d'Angleterre. Il est nommé sous-lieutenant dans l'armée britannique en 1960, avant son retour au pays natal. Un an plus tard, c'est le début d'une brillante carrière. Commandant du secteur militaire du Cameroun oriental en 1964, James Tato est promu colonel en 1978. En 1983, il est promu général de brigade et moins d'un an après, il contribue au premier rang au maintien de Paul Biya au pouvoir après le coup d'État manqué du 6 avril 1984. C'est lui qui avait mis en place l'état-major de crise au palais de l'unité. Je n'étais pas encore revenu. C'est lui qui avait mis ça en place. De combat en combat, il est élevé au grade de général de division et nommé chef d'état-major de l'armée en 2001. 10 ans plus tard, James Tato est envoyé en deuxième section. Nous sommes les premiers qui avons bénéficié du statut de général en deuxième section. La deuxième section, c'est Semengue, Nganso, Umaro Jam et Tato. Une carrière pleine. L'unique général d'armée du Cameroun se souvient aussi du côté hospitalier de l'homme. Il était un très grand chrétien. Je me rappelle encore, oui, dans l'affaire Bakassi. Nous avons trouvé un orage terrible, un orage fou. On a atterri chez Tato, aussi. Il nous a reçus, il nous a logés, il nous a nourris. Mais personne, c'est-à-dire qu'il ne nous attendait pas.
Le chef traditionnel du village Ossing dans la Manyu, région du sud-ouest, a déposé ses armes mercredi soir à Paris. L'un des quatre premiers généraux du Cameroun aura contribué à la formation et à la structuration de l'armée, toute une bibliothèque des forces de défense et de sécurité. Le grand absent du conseil de cabinet du mois de juin est tenu ce jeudi. C'était sans doute la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé lundi dernier. Le premier ministre chef du gouvernement a préféré écouter les exposés des ministres en charge du foncier, des travaux publics ou encore des mines. Synthèse d'exposé, Ghislain Piaïsono, Serge Alain Ziebou. 2h15, voilà la durée du conseil de cabinet du mois de juillet 2019. Pas de sujet sur la tension à la prison centrale de Yaoundé. Pas d'exposé donc du ministre de la Justice Garde des Sceaux, comme l'ont fait trois de ses collègues membres du gouvernement sur un fil identique, à savoir la digitalisation. Le ministre des Domaines, Cadastre et Affaires foncières évoque la sécurisation des documents fonciers. L'expérimentation passe par 130 000 cas. La digitalisation dont il parle dans son exposé est pour assurer les acteurs économiques de plus en plus penchants vers la dématérialisation des procédures. L'exigence économique ne doit cependant pas faire oublier à l'État de sécuriser le domaine public si souvent occupé de façon anarchique. Henri Eyebe Aïssi a donc dit au chef du gouvernement Joseph Dion Goûté qu'on va vers la modernisation du secteur dont il a la charge. Faisant partie des trois exposants du jour, le ministre Ndoko Ndoki des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique a étalé les actions jusqu'ici entreprises et celles à venir pour que les acteurs du secteur minier s'approprient la norme, ce qui va favoriser la transparence qui manque encore à l'appel en la matière. L'autre membre du gouvernement en vedette à l'immeuble Étoile ce jeudi, c'est Emmanuel Nganoundjou-Messi. Le ministre camerounais en charge des travaux publics s'étant illustré par la présentation d'un rapport sur l'état d'avancement du projet de mise en route des 8 unités de fabrique de bitume au Cameroun. À la suite des événements de lundi dernier à la prison centrale de Yaoundé, victime de la surpopulation carcérale et dont les détenus revendiquent leur jugement ou leur libération, nous nous intéressons ce soir à la détention préventive. Les délais sont souvent prolongés au mépris de la loi, et alors bien même que le code pénal reste irréprochable de l'avis de certains experts. De l'enquête que nous avons menée et que vous allez voir, d'autres pesanteurs empêchent que la loi soit équitablement appliquée pour tous. L'article 221 du nouveau code de procédure pénale fixe la durée de détention provisoire à 6 mois renouvelables une fois en cas de délit et à 2 fois en cas de crime au Cameroun. Question, quand débute une détention préventive, tout part de l'ouverture d'une information judiciaire. Dès lors qu'on vous présente devant un juge et qu'il décide que vous ne repartirez pas chez vous, en ce temps commence la détention. Par un document, il vous met sous mandat de détention. Détention, le temps pour le juge d'instruction de rassembler les preuves qui permettront de vous juger ou de vous relaxer. En matière de délit, le mis en cause ne devrait pas forcément être détenu. La plupart des détentions préventives peuvent être analysées comme excessives. Pour ceux ayant subi la détention, la libération devrait être immédiate, mais au vu du nombre de détenus non jugés dans nos prisons, la loi serait violée. De mémoire d'avocat, je n'ai pas souvenance de ce que, au bout de sept ans, le juge ait mis immédiatement quelqu'un en liberté. On a tendance à renouveler. Ou parfois, il faut se rendre compte, nous avocats, que le délai est largement passé et recouru par la procédure d'habeas corpus. Et là encore, les récents cas d'habeas corpus devant le juge avec les prévenus du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ont pas porté des fruits. Les juges sont relativement frileux à ordonner des libertés en habeas corpus. Et quelquefois aussi parce qu'il y a des interventions extrajudiciaires. L'alinéa 2 de l'article 221 du Code pénal prévoit pourtant des poursuites disciplinaires contre le juge d'instruction qui ne respecterait pas les délais de détention préventive. Ceux qui sont en charge des poursuites disciplinaires du magistrat ne savent pas qu'il y a un citoyen qui a fait plus de 18 mois et qui n'a pas été libéré, ou qui a fait plus de 12 mois et n'a pas été libéré. C'est peut-être vous, justiciaire ou avocat que je suis, de dénoncer et de porter cela à l'attention de ses supérieurs. Pour Angèle Bellebon d'Achoua, qui a subi des tracasseries judiciaires, le problème, c'est le système. Nous avons une justice qui est au service de l'injustice, une justice qui est au service de gens qui sont dépassés,
par un ensemble de choses qu'ils ont créées même pendant 37 ans. Les hommes de droit et autres observateurs restent unanimes sur la bonne qualité des lois au Cameroun. C'est leur application qui ferait problème. La sécurité, maître mot d'une réunion présidée ce jeudi à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale aux autorités administratives de la région du centre convoquée, il a été prescrit vigilance afin de barrer la voie à l'insécurité. Déclaration spéciale de Paul Atangandi enrobée par Anong Efak, Oriane Kodo et Samuel Bonis. Ils incarnent le commandement dans la région du centre, région siège des institutions. Gouverneur, préfet, sous-préfet, force de défense et de maintien de l'ordre autour du ministre de l'administration territoriale. Dans les services du gouverneur à Yaoundé, il est question de sécurité. Menu prescrit par le chef de l'État et porté par le ministre Paul Atangandi pour tirer les leçons des récents événements de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Nouvelle ligne de conduite déclinée. 1. Relever le niveau de vigilance. 2. Renforcer la recherche du renseignement prévisionnel. Le constat présenterait une alerte rouge sur certains partis politiques. Démocratie agissante au mauvais sens. Responsabilité des autorités administratives convoquées. Les autorités administratives doivent accompagner et encadrer les partis politiques en s'assurant qu'elles mènent leurs activités dans le strict respect des lois et des règlements de la République. Le MINAT, le temps d'une déclaration spéciale, explore tous les aspects et secteurs à surveiller pour garantir la sécurité partout dans la région du centre. Le secteur des transports cité comme porteur du germe d'insécurité. Le phénomène des agressions dans les taxis. Certains conducteurs de moto-taxi n'hésitent pas à dépouiller leurs clients ou à arracher les sacs de femmes au passage. La réunion de ce jeudi est comme stratégique pour une sécurité renforcée. Sa Majesté Biloua Ifa, chef coutumier Mvorbeti, désormais persona non grata au sein de l'Association des chefs traditionnels de l'arrondissement de Yaoundé 2. Ses collègues chefs lui reprochent de confondre son militantisme politique au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun à sa fonction de gardien des traditions. Il a été destitué de son poste de président et porte-parole de l'instance il y a quelques jours seulement. Une véritable guerre de positionnement ouverte, dites-vous, Arnaud Gefak, Sèche Alain Ziebou et Samuel Bonis. Une majesté parée d'attributs. Biloua Ifa, chef de troisième degré Messan Kouaba, jusque-là président et porte-parole de l'association des chefs traditionnels de l'arrondissement de Yaoundé 2. Homme politique. Il est devenu sous la bannière du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais ses pairs, chef de troisième degré, le jugent désormais traditionnellement incorrect. Il confond volontairement son militantisme et son activisme bruyant au rôle de chef traditionnel. L'homme est déclaré le temps d'une conférence non grata, sous-préfet de Yaoundé 2 témoin. Le concerné informé répond. C'est par dévolution héréditaire que je suis le chef coutumier Mvorbeti du clan Mvoktombala. Faire partie de l'association des chefs traditionnels de Yaoundé 2 ou de toute autre association de chefs traditionnels n'est pas une promotion. Je vous dispense de ce que j'ai été le créateur de cette association, l'initiateur. D'émettre un président d'association, porte-parole si vous voulez, devrait obéir à une démarche. Sa Majesté Biloua Ifa convoque là les tests, statuts et règlements intérieurs qui exigent une assemblée générale tout au moins dans ce genre de situation. Les membres de l'association auraient pris le raccourci, passant par les membres du comité exécutif. En leur qualité de membres du conseil exécutif de l'association, ont solennellement prononcé la dissolution du bureau. Après une courte concertation, proposé un nouveau bureau. Président, Sa Majesté Ifa Aissoun Etienne. Le nouveau président, c'est lui-même le locuteur. Un autre Ifa en in. Biloua Ifa est donc out.
L'actualité en bref à l'université de Yaoundé 1, Suzanne Menguezomo-Ondo, installée cet après-midi dans ses fonctions de présidente du conseil d'administration de la MED des universités du Cameroun. Suzanne Mengue, magistrat Oichel, remplace ainsi Jean Fouman Akam, décédé en début d'année. Mais son installation se joue par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, a fait enfler le débat sur les compatibilités. Les lois interdisant le cumul des fonctions de président du conseil d'administration avec celles des membres du conseil constitutionnel ou encore de la Cour suprême. Cette opinion attend ainsi la démission de l'une des deux fonctions de Suzanne Mengue. La suite du 19h50 en société, rendons-nous dans le département du Mbamekim où le bar de Nartigal a cessé de fonctionner pendant un peu plus de 5 heures. Il a coulé suite à la surcharge de passagers et des véhicules. Heureusement, pas de pertes en vie humaine. Plus de détails avec Alain Gislain Kanga. Les efforts d'un caterpillar pour sortir des eaux à un gros porteur. Nous sommes en tuy dans le Mbamekim. Le bac Nartigal se trouve noyé dans le fleuve après avoir transporté un camion avec une charge de 30 tonnes de ciment. L'incident s'est passé à 4h. On nous est juste arrivé ici à 5h30. Voilà le ciment, il portait le ciment. Tout est parti. On a balancé tout ça dans l'eau. Il y a aussi les dégâts. Tout le camion est fini complètement. Alerté, le sous-préfet de Ntuy va descendre sur les lieux à bord d'une chaloupe. Et c'est la société chinoise en charge de la construction de cette route qui va mettre les moyens pour le sortir des eaux. La circulation a été interrompue pendant plus de 5 heures de temps. Voilà le bac qui commence le travail à 14h. Les gens ont souffert ici. Ce n'est que les chaloupes qui faisaient traverser les gens. Comme vous voyez ça. Un camion qui a tombé sur de l'eau, peut-être avec le freinage, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le calvaire des automobilistes et des passagers s'est achevé dans l'après-midi. De la réclame dans la suite de ce journal, Easy Office est la nouvelle offre au service des petites et moyennes entreprises locales. Le projet porté par une jeune Camerounaise vise la facilitation des affaires et d'incubation des PME. L'inauguration a eu lieu ce jour sous la présidence du ministre en charge des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Alain Gislain Kanga, Angélique Ekosono et Serge Alain Ziebou pour plus de précisions. Sous une pluie battante, Easy Office se dévoile au public de Yaoundé. Inauguration de ce centre créé pour la facilitation des affaires et incubation des petites et moyennes entreprises. La promotrice, en quelques mots, présente le projet. Easy Office est né d'une vision à la suite des expériences à l'étranger où je me suis souvent retrouvée avec des partenaires qui avaient pour habitude, lors des séances de travail, de solliciter des bureaux spécialement agencés. Ces espaces de travail partagés, plus connus sous l'appellation de coworking space, m'ont amené à apprécier ce concept inédit. Créativité, innovation et audace, trois mots pour comprendre tout le sens du projet Easy Office. Le concept, la créativité au service de la productivité, est en marche. L'objectif affiché au travers de cette initiative est assurément pour la promotrice et ses partenaires de contribuer activement à la montée en puissance des performances des entreprises, et je dirais même des entrepreneurs camerounais. Coupure du ruban symbolique pour l'ouverture, les stands dévoilent le charme de ce projet dans toute sa splendeur. Audace d'auto-emploi saluée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. On aspire à renforcer justement notre écosystème, offrant justement aux porteurs de projets de venir s'enrichir d'expériences en fait d'autres professionnels. C'est une opportunité offerte à qui voudra, petite et moyennes entreprises, première cible du projet. Et la suite du 19h50 en culture, et on parle avec vous, Michael Tipkio, de ce futuring annoncé entre Beyoncé et Salaciel.
Effectivement, Brand, depuis la semaine dernière, justement, la nouvelle a fait boum dans le milieu musical local, sans bruit. L'artiste musicien Salatiel a collaboré sur le dernier album de la star américaine Beyoncé. Cette dernière qui a fait appel à de nombreux artistes africains pour cette production, notamment les stars nigérianes et ghanéennes. Et si le talent de Salatiel, vous l'avez dit, était reconnu et apprécié déjà localement, cette collaboration lui ouvre les portes occidentales, un fait qui n'est pas une surprise quand on sait comment, justement par le passé et même récemment, les artistes camerounais ont inspiré des légendes mondiales. Aimé Catherine Moukouri a écouté justement cette chanson, pleine de clins d'œil que les mélomanes veulent déjà connaître. Écoutons ce reportage. Écoutez. Yeah. Une interjection sortie du fin fond d'un village de la commune de Monfay pour annoncer. Cette dernière qui a fait appel à de nombreux artistes africains pour cette production, notamment les stars nigérianes et ghanéennes. Et si le talent de Salatiel, vous l'avez dit, était reconnu et apprécié déjà localement, cette collaboration lui ouvre les portes occidentales, un fait qui n'est pas une surprise quand on sait comment, justement par le passé, et même récemment, les artistes camerounais ont inspiré des légendes mondiales. Aimé Catherine Moukouri a écouté justement cette chanson, pleine de clins d'œil que les mélomanes veulent déjà connaître. Écoutons ce reportage. Écoutez. Yeah. Une interjection sortie du fin fond d'un village de la commune de Monfay pour annoncer la voix de Salatiel servie en entrée sur une guitare rythmique, une mélodie ensoleillée qui ouvre un tableau festif d'un trio musical, Salatiel, Beyoncé, Pharrell Williams. Le titre Water, tiré de l'album Gift de Beyoncé, une compilation de 14 titres produits par Madame Carter. Cette déclaration d'amour à l'Afrique est inspirée de sa participation dans le film Le Roi Lion. Salatiel y pose toute la beauté de sa voix, comme dans les titres Toi et moi, One Day Dans One Day, qui ont attiré l'attention de l'équipe de la star américaine. Ce titre afro-pop, mouvementé, bien baigné aux sonorités locales, parle 237 à la deuxième femme la plus honorée de l'histoire des Grammy Awards, Beyoncé. Preuve que le talent camerounais a toujours atteint les cimes de la musique mondiale, car si cette fois la collaboration est conventionnelle entre Salatiel et Beyoncé, par le passé, nos artistes sont carrément fait plagier par Michael Jackson, Rihanna, Kanye West, James Brown et Shakira. En 1975, le roi de la funk James Brown copie intégralement Hot Cookie d'un jeune talent André Marie pour en faire son titre The Hustle. En 1983, Michael Jackson, le king de la pop, calquait le refrain de Soul Makossa de Manu Dibango pour Wanna Be Startin' Something, repris après par Rihanna puis par Kanye West. Et plus récemment, le fameux Waka Waka de Shakira, copié chez le Golden Sound. Pour l'instant, le flow sur Water conduit à coup sûr ce jeune baron de la production camerounaise vers les sommets de la musique internationale. On en vient à l'éducation à présent. Les chiffres à polémique du pourcentage au baccalauréat représentant pour plusieurs présentants justement la région du Nord-Ouest Cameroun comme première, en tête justement à la tête de la première, à la tête des régions du Cameroun d'après les statistiques publiées par l'Office du baccalauréat du Cameroun, malgré les écoles parfois fermées, les ghost towns et bien d'autres observés dans ces régions du Cameroun. C'est donc une curiosité que relève ici Charles Robert-Etoc dans ce rapport de l'Office du baccalauréat du Cameroun. L'Office du bac du Cameroun affiche à son compteur pour cette année scolaire 2018-2019 un taux de réussite générale de 60,35% après la proclamation des résultats du baccalauréat. Classé par région, l'extrême nord ferme la queue avec un taux de réussite de 46,72%. L'ouest perd son rang et chute à la sixième position avec un taux de réussite de 59,60%. Pour le reste des régions, on observe un véritable jeu de chaises dans ce classement. Toutefois, le plus surprenant dans ces statistiques officielles
reste la place occupée par la région du Nord-Ouest, classée première parmi les 10 régions. Pourtant, depuis 3 ans, cette région est en proie à la crise due aux revendications séparatistes, où plusieurs sont les établissements qui sont restés fermés, voire brûlés, et les enseignants pourchassés, parfois tués. Des observations qui trouvent des réponses. Espérons que ce très bon classement de la région du Nord-Ouest incitera les parents, enseignants, politiques à adhérer à l'initiative Back to School, initiée par les religieux, hommes politiques et leaders de la société civile dans le Nozo. La suite justement avec le 80-70, un numéro court devenu la vedette des causeries. Les candidats au baccalauréat en savent mieux. Appel ou SMS, résultat au bout du fil pour 150 francs CFA débités. Le coût est sujet d'une forte polémique qui oppose depuis quelque temps l'opinion à l'Office du baccalauréat du Cameroun. Question au centre de laquelle, pourquoi paye-t-on, au centre de la querelle bien sûr, pourquoi paye-t-on et pour quelle destination? Arnaud Guefak et Serge Alonziebou ont mené l'enquête. C'est l'objet du plus de l'info de ce soir. C'est la saison des résultats. Candidats au baccalauréat dans l'ancienneté. 3 canaux pour l'accès au sésame. Il y a la radio, poste national en référence. Il y a le babillard au centre d'examen. Et il y a surtout le téléphone. Android ou Choronko pour parler de la 2G. Le bon numéro, le 8070. En double piste, SMS ou appel de délivrance. Merci Seigneur. J'ai d'abord tapé mon matricule et j'ai envoyé au 8070. Ça fait au cours 5 secondes. J'ai reçu mon résultat que j'ai été admissible au baccalauréat technique F3. La cagnotte marque 150 francs CFA sur le coup. Bienvenue, la polémique. Question: pourquoi et comment est-on arrivé là? Convocation du régulateur du secteur des télécommunications. Et en principe, dans le secteur des télécommunications, qui régit la fixation des tarifs, qui est le principe de l'orientation des tarifs vers les coûts réels. Le 8070 est en vigueur depuis 4 ans. Numéro court, attribué par l'Agence de régulation des télécommunications. Les coûts validés par ses soins sur la base du catalogue d'interconnexion. L'opération intéresse l'opinion et il y a un œil qui voit un commerce savamment tissé. Commerçant désigné Office du baccalauréat du Cameroun. L'Office du baccalauréat ne gagne pas de l'argent, mais au contraire, l'Office du baccalauréat dépend. Nous achetons un pack de SMS chez eux, c'est-à-dire les push SMS qu'on est censé envoyer aux gens lorsque les résultats sont disponibles. Pour dire, vous pouvez consulter le 8070. Comme l'opérateur fait du bénéfice, l'opérateur de téléphonie retient sa quote-part. L'opérateur est censé rembourser à l'OBC au moins 50% de l'argent qu'il a dépensé pour les push SMS. Il n'y a d'ailleurs aucune relation directe constatée entre les opérateurs de téléphonie. Tous les opérateurs s'entendent et l'Office du baccalauréat du Cameroun. Un intermédiaire porteur du projet et gestionnaire du call center s'en charge. Cet intermédiaire, c'est LTM Group, une entreprise de télécommunications spécialisée dans la gestion des numéros courts, service de la valeur ajoutée. Un service pour eux qui reste facultatif. C'est l'aide à la diffusion, c'est une voie secondaire, pas une voie principale. Quelqu'un qui est dans un coin isolé et qui n'a pas accès à son centre d'examen facilement, parce qu'il faut qu'il paye 500 ou 1000 francs pour aller là-bas sur place, c'est un moyen pour lui quand même d'avoir son résultat sans dépenser beaucoup et 150 francs etc. Hein? Les coûts intègrent l'appel, le service rendu et les taxes. Sur les 150 francs, 19,25% sont récupérés par l'État en termes de TVA. 60% du montant restant revient à l'opérateur et 40% aux fournisseurs de services. Une clé de répartition contractuelle avec l'ART comme témoin et régulateur. Le prix est réparti entre au moins 2 ou 3 acteurs qui sont rémunérés en fonction, chacun en fonction du travail ou du service qu'il produit. Tout est donc clair. Le numérique est un mange-tout, y compris les résultats. 80-70, c'est le mot high-tech
de l'affaire. À l'étranger, pour refermer ce journal, Tunisie, Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi, juste quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs à l'hôpital militaire de Tunis. Béji Caïd Essebsi, tout premier président démocratiquement élu du pays, il était âgé de 92 ans et son décès intervient malheureusement le jour où la Tunisie célèbre la proclamation de la République en 1957. Des détails avec nos confrères de la BBC. Il était le plus vieux chef d'État en exercice. Vétéran de la politique, il avait servi sous deux anciens chefs d'État avant de devenir le premier président élu démocratiquement en 2014, trois ans après la révolution tunisienne. Ministre de l'Intérieur dans les années 60, puis de la Défense et des Affaires étrangères sous le père de l'indépendance, Habib Bourguiba, BCE, comme on le surnommait, ensuite était président du Parlement au début de l'ère Ben Ali. Puis il s'efface durant l'essentiel des années 90 et 2000. Il était revenu sur le devant de la scène à la faveur de la révolution qui a entraîné la chute de Ben Ali début 2011 et déclenché les printemps arabes. Il devient Premier ministre par intérim de février à novembre 2011 après la chute de Ben Ali. Il a quitté ses fonctions après les premières élections post-révolutionnaires en Tunisie qui ont porté le parti Ennahda au pouvoir. En juin 2012, il a formé son propre parti politique laïque, Ninda Tounes, qui a obtenu 85 sièges aux élections législatives d'octobre 2014. Et Essebsi devient alors président. Ces dernières années, son mouvement, Ninda Tounes, s'est déchiré sous l'effet de luttes de pouvoir. Béji Caïd Essebsi souhaitait notamment rester dans l'histoire comme l'artisan de l'égalité entre femmes et hommes en matière d'héritage, obtenant qu'un projet de loi soit présenté au Parlement. Et le débat s'est enlisé à l'approche des élections prévues cette année. Et il est décédé sans que le texte n'ait été soumis au vote. Le président du Parlement, Mohamed Ennasser, a été donc fait président par intérim du pays. Il a 90 jours pour organiser les élections. C'est ici que nous mettons terme à cette édition d'informations sur Canal 2 International. Je vous dis merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi 19h50. Bonsoir.